à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Rencontre de deuxième type. Je suis toujours Jules et il est toujours Nico. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. On va parler d'une BD, attention, d'une BD, qu'est-ce que dis-je ? Un comics, un one-shot de Brian K. Vaughan, ou Vaughan, ça dépend comment on prononce la chose. Merci. Le Steve Scross, c'est pareil, ça dépend comment on prononce, et Matt Hollingsworth. Alors, si je me permets de faire une petite intro sur ce titre, j'ai mis du temps à me décider à l'acheter, ce bidule, parce que c'est un one shot. Ça, on va en reparler. Ouais, c'est là, il le dit. Il l'a pas dit la première fois. D'accord. Oui, non, je ne lui ai pas dit que c'était un one-shot, et j'aurais peut-être dû, mais il aura peut-être regardé du lore. Non, mais vous allez voir, allez comprendre. Moi, ce qui m'a attiré, il y a deux choses qui m'ont attiré. La première chose qui attire tout le monde, c'est la couverture, le premier de couverture qui est vraiment génial, qui annonce... Je suis fan du Canada, hein, de toute ouais, façon. Ça annonce du lourd, la couverture, ouais. Et aussi le pitch du bouquin, où en fait, on est dans un monde... On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, que depuis très longtemps, il y a une petite rivalité entre les États-Unis et le Canada, une rivalité qui est tout à fait pacifique. Ah bon ? Mais c'est un peu c'est un peu le même genre de relation qu'on a entre les Français et les Belges, en fait. Oui. Je ne sais pas si vous suivez. Non, mais complètement. C'est-à-dire que les Canadiens sont vus par les Américains comme nous, on voit les Belges. En fait. Dans les séries américaines, on fait beaucoup de vannes sur le Canada. C'est très... Voilà. Et donc moi je me suis dit ça peut être intéressant, et en fait les auteurs ont été au-delà, donc on est dans quelque chose du chronique où on va refaire l'histoire entre justement où on est sur une planète où les ressources sont quasiment épuisées. Le Canada, il me semble, si je ne me trompe, détient toutes les réserves d'eau potable du monde, et les Américains décident de... Alors, du monde, je sais pas, mais en tout cas, ils ont une réserve d'eau potable. Et les Américains, les États-Unis plutôt, décident d'attaquer le Canada pour se procurer ces réserves d'eau. On est sur fond d'une histoire post-apocalyptique avec des rebelles qui vont essayer des rebelles dont on voit certains membres ici sur les planches que Jules nous montre. Alors le problème, et je pense que je vais sauter des trucs et vous montrer, parce que le problème c'est que par exemple là après il y a un gros spoil. Donc je vais pas vous montrer beaucoup du dessin, donc je vais rester plusieurs fois sur les mêmes, mais le dessin, voilà quoi. Il y a vraiment un... On en avait déjà parlé en off il y a quelques temps. Il y a un potentiel de malade, en fait. Quand on regarde le pitch, vous pourrez vous faire vos propres opinions en regardant le pitch sur Internet. Il y a un potentiel de malade. On peut faire... Moi, je serais d'accord avec ce que tu vas dire plus tard. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Les personnages, on aurait pu en faire autre chose qui en a été fait. Attends, laisse-moi. Je fais durer le plaisir. Vas-y. J'ai été déçu. Voilà, et on va expliquer pourquoi. Alors moi, c'est pas compliqué. Jusqu'à un autre dont on va parler. Ah. C'est ma plus grosse déception. Oh, ça, c'est ma plus grosse déception depuis très très longtemps. Alors je m'explique. Le mec me prête ça, j'en avais entendu parler, j'avais feuilleté, le dessin me plaisait plutôt. Ça me faisait penser à une autre BD que j'ai beaucoup aimé, machin. Du coup, ouais, le dessin, moi, me plaisait. Voilà, et effectivement, Canada, États-Unis, robot, ça a l'air sympatoche. Je prends le truc. Je lis les... Alors, le problème, c'est que... Est-ce que je spoil ça ? Non, parce que... Bon, il y a... Alors, sans vous spoiler, en gros, voilà, on suit une famille, nanani, nanana, et bam, il se passe un truc, mais alors d'entrée de jeu. Tu te prends ça en pleine gueule, tu t'y attends pas, et blam, quoi. Et alors ça, moi, ça m'a fait un peu le même effet. Et ça se reproduit plusieurs fois en plus dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on suit un personnage et il lui arrive un truc. Et moi j'aime bien ce côté-là un peu à la Game of Thrones, où en gros, on ne sait pas, tout le monde peut y passer. Ou Walking Dead, tout le monde peut y passer. Au détour d'une porte, d'un couloir, n'importe quoi, clac, le mec meurt, point. Exactement. Et j'aime beaucoup ça, parce que du coup, on est tout le temps en suspense, c'est quelque chose qui vous tient. Alors que,
Je veux dire, je vous rappelle que Harrison Ford est resté dans Star Wars pour des questions marketing et que dans son contrat de l'épisode 7, le contrat c'était oui, je le fais si je meurs à la fin. Parce qu'il aurait dû mourir deux épisodes avant. Bref, du coup, bon. Spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Spoil pour ceux qui n'ont pas vu il y a 30 ans. Ceci étant dit, donc voilà, bref, tu te le prends dans la gueule. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Ça me fait penser aussi à Psychose, dans le film d'Hitchcock, ou Spoil, hein, où dans Psychose, effectivement, pendant 20-30 minutes, tu suis une femme qui va aller dans un motel, que tu crois être le personnage principal et qui finalement se fait buter dans sa douche, quoi. Et bon, alors, il n'y a plus de spoil. Spoil! Spoil alerte. Et du coup. Bah ça aussi, c'est hyper osé parce qu'on a l'impression de suivre le personnage principal. On le suit, on s'y habitue, on a de l'empathie, on commence à avoir de l'empathie pour elle, pour lui. On s'attache et au final, boum. Et c'est un peu ce qui se passe les 2-3 premières pages. Alors, il n'y a pas de 50 manières de faire pour que, en gros, l'empathie soit la plus efficace et la plus vite possible. Bon, bah là, c'est ce qu'ils font. Et du coup ça marche vachement bien et moi je m'étais dit waouh, trop bien, trop bien, je poste un truc sur Facebook sur notre page Jules et Nico, vous tapez rencontre du deuxième type, claque, vous allez tomber dessus. Et je poste un truc sur notre page Facebook et je dis waouh, trop bien, ça a l'air vachement bien machin. Et là il y a un mec qui dit que c'est bien et genre 2-3 gars dont, excusez-moi du peu, Matt, anciennement chef à court testé des comics.fr, qui dit ouais, déçu, machin, puis Vaughan et puis truc. Alors là, moi, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Oh la vache, je vais me dépêcher de le lire. Il y avait, excusez-moi, le nom m'échappe. Il y en a un autre pareil qui me dit la même chose. Je préfère pas dire de bêtises. Christophe Non. Je sais plus, je l'ai. Ah, c'est bien. Et du coup, bref, tu l'as pas là? Pour rendre à César ce qui est à César. Je regarde. Et du coup, bref, moi je me dis, oh la vache, je vais me dépêcher de lire pour en gros leur dire, mais gars, vous êtes complètement tarés, c'est vachement bien. Donc, je lis, je suis à fond dedans, et punaise, mais déçu. Déçu pourquoi? Parce que, comme il disait, il y a un énorme potentiel et qu'au final, c'est pas exploité du tout. Il y a des incohérences scénaristiques. Enfin, des incohérences, pas forcément, mais des facilités scénaristiques. C'est surtout ça. Ça va beaucoup trop vite. Effectivement... One shot oblige. Ouais, mais alors ça, c'est pas... Ça, c'est... Attends. One shot, défi, quoi. Alors, c'est pareil. Le problème aussi, c'est que je peux pas ne pas spoiler. Bon, en gros, on suit au départ une famille et il se passe un truc. Le frère et la sœur vont comme ça. Ils sont petits. Ouais, voilà. Au début du petit, et on les suit ensuite plus grands. Voilà. Et en fait, donc voilà, on a de l'empathie pour eux, on les suit, tatati, tout ça, très bien. Et la fille, en gros, rencontre un groupe de résistants canadiens. On aurait peut-être dû commencer par là, par l'expliquer. Voilà. Et du coup, voilà. Et. Il y en a un qui dit, hey, non, ça peut être une méchante. Et alors, spoil, hein, c'est pas une méchante du tout, mais ça pourrait être une méchante. Et on lui dit, ta gueule. Et bam, ça part. Et tout le monde lui fait confiance, il n'y a aucun problème. On lui file, ouais. Non, mais on lui file les clés de la boutique. Hein. Allez, vas-y. Coup de bol pour la résistance. Coup de bol pour la résistance, que franchement, ce soit pas une. Une grosse salope. Désolé. Non, c'est un truc complètement censuré par Facebook. Ouais, j'ai toujours pas de réponse. Ah, ouais. Du coup. Voilà. Et tout ça pour dire que ouais. Et du coup, je me suis dit mais pourquoi? Donc bref, je vous passe les détails. Je trouve des trucs mais complètement abrutis. Mais hallucinant. Alors... Attends. Potentiel gâché, tout ça. Mais déçu à un point, en colère. Ouais. J'arrive. Je me suis fait engueuler. Con que je suis. J'arrive à la fin. Et je vois justement le mot fin. Et je vous jure, j'ai bloqué pendant 2 secondes sur ce mot fin. Parce que je me suis dit, comment ça, fin? Je retourne la tranche de cette Urban Indies et je vois pas le numéro 1. Et du coup, je comprends, parce que je ne suis pas débile, que du coup, c'est un one shot. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde?
C'est-à-dire que... Mais c'est hallucinant à quel point c'est, ça a été un ascenseur émotionnel, ce truc. Je signalerai la vidéo pour qu'elle soit supprimée de Facebook. Non, mais c'est hallucinant à quel point ça a été un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit, oh, mais ça envoie du lourd, j'adore, mais au bout de 5 pages, quoi. Et au fur et à mesure de la... Alors que j'étais vraiment monté pour dire aux copains, arrêtez vos conneries, c'est vachement bien et tout. Et puis au fur et à mesure, oh, pas terrible. Et alors, mais le mot fin, moi, m'a achevé. C'est-à-dire que vraiment, quand je me suis dit, c'est... Je te jure que c'est vrai, je me suis dit, putain, j'ai perdu mon temps, quoi. C'est... Alors que... Si ça avait été un numéro 1, honnêtement, je me serais dit, bah le mec, c'est un peu loupé quand même. Ça part vachement bien, mais après, bon, on verra ce que ça donne après. Tu vois, j'aurais laissé une chance au truc. Forcément, là, je peux pas laisser de chance s'il n'y en a pas derrière. Mais, ok. Mais là, un tel potentiel gâché. Bref. D'accord. Non, c'est... moi, si je puis me permettre, j'ai eu le même genre d'impression. Moi... Alors, c'était exacerbé par ce fait que je ne savais pas. Exacerbé, voilà. Parce que je le savais que c'était un one-shot, voilà. Et que je me suis dit quand même qu'il était dommage de ne pas en avoir fait une série. Et je vais le vendre, moi, ce volume. Je vais le revendre. Ah ouais, 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 je vais le revendre, parce que... Et, mais je le relirai pas, je suis déçu, parce qu'en plus, tout à l'heure, tu parlais de Vaughan. Ouais. Vaughan, moi, avant de le lire, justement, tout à l'heure, je disais que j'ai mis le temps pour l'acheter. Et je me suis renseigné sur Vaughan, surtout, et Hollingsworth, donc un dessinateur, mais surtout sur Vaughan, et je me suis dit, waouh, il a fait des trucs pas mal, le mec. Et donc, je vais quand même acheter, parce que... Et en fait, non, c'est une déception, effectivement, aussi. Une grosse déception. Et vraiment, je suis nec, parce que, en gros, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur je sais plus quoi, là-dedans, il y a tous les ingrédients pour que je kiffe le titre. Et c'est surtout qu'il faut savoir aussi qu'Urban nous a... Enfin, moi, Urban, il m'a complètement enduit d'erreur, comme on dit. Parce qu'il a présenté le truc comme un truc hyper fort... Mais c'est ça qui est terrible, c'est que ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être, c'est ça. C'est que du conditionnel, tout ce qu'on et oui, alors comme, encore une fois, je le répète, ça a été exacerbé par le fait que je ne sache pas que ce soit un one-shot, que les copains me disent que c'est nul et que moi j'ai envie de leur dire non, c'est vachement bien. Et putain, après, je suis allé sur Facebook en disant, bah ouais, vous aviez raison, quoi. Déception, alors, mais... Ceci n'est que notre avis. Bien entendu. Si vous avez envie de le lire, lisez-le. Tout à fait. Empruntez-le, faites... Alors, tout à fait, mais je ne vous encourage absolument pas à lire. Non. Mais... Non, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, ne lisez pas ça. La prochaine fois, regardez la tranche. Passez du temps à lire autre chose. Franchement, bah, c'est pas, si on avait quelque chose dans tout ce qu'on vous a présenté depuis le début de notre émission, c'est pas franchement le truc qu'on vous conseillerait de lire. Ah ouais, non, mais même si on vous déconseille pas de lire les choses qu'on vous présente, même si on n'aime pas. Bref. Il faut quand même vous fassiez votre propre opinion. Ceux qui l'ont déjà lu, vous ouais, vous dites après, ce que vous en voilà. pensez sur Facebook ou sur YouTube. Bon, bref, en tout cas, je ne vous conseille pas de le lire. Ouais. Que ce soit des BD, des comics, des livres ou... Mes cours, parce qu'ils sont super bien faits. Lisez. Lisez. Voilà, je crois que c'est le mieux. C'est le mieux. Lisez. Hein. Allez, ciao!